de force. Pas mal, amis, on montre notre cœur. Mais je préfère ma bonne vieille. De te rappeler.
Lars, des peaux d'hyène. Je me ferais bien. Eh ben, une garde-toi. Et moi, je voudrais bien une belle fourrure de renard. Putain de merde. Qu'est-ce que tu voudrais que tu manges à moi? Vous semblez pas de mal. Wow. Wow. Let's go.
funèbre, Ablette. Pardonnez-moi de vous importuner, mais je me trouve dans une situation fort délicate. Voyez-vous, je suis un jongleur de Téméria, et... De Téméria? Vous êtes sûr? Pas de Novigrad? Novigrad? Pourquoi? Je viens de Maribor et... Vous avez la mémoire trop courte pour ce métier. La dernière fois que nous nous sommes croisés, vous étiez un marchand de Novigrad qui cherchait à rentrer chez lui. Mais je vous assure que... Bon... Très bien, j'avoue. Vous devez m'en vouloir. Et je peux vous rembourser. Avec des intérêts, si vous voulez. Je vous en prie, ne me livrez pas au Jarl. Vous avez vraiment cru pouvoir me berner une seconde fois? Le Jarl décidera de votre sort. Tu crois que tu peux me forcer à te suivre? Essaie donc. Hey. On est entre gens. Eh, hey, vous, approchez, j'ai un œil. Bien le bonjour. Vous cherchez une bonne affaire? Montrez-moi vous. Adieu. Eh, vous voyez à la hauteur, hein? Hors de ma vue. Là, ou pas. Qu'est-ce que vous regardez comme ça?
rassemblez tous dans vos vrais costumes de Ragnar. Je ne tiens rien que le tour. Moi je dis, réunissons les guerriers. Vous entendez, Srafu? C'est Freya qui grince des dents. Bob. Il nous faut quelqu'un pour nous en débarrasser. Un point, c'est tout. Voilà. Laissez-moi. On est entre gens bien. Salutations, étranger. Quelques manches de...
Salutations, étrange. Au plaisir. On ne sait pas Manila. En avant. Tout doux maintenant. Mon petit Andy. C'est peut-être pas tout. Oh, tout doux, ma belle. Ah,
harpies nichent ici.
tu sais faire. Allez, Hugh. Hey.
Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie.
Ne me laisse pas le choix. Oh, violent.
ici ne fait... Vous êtes sorceleur, c'est bien ça? Oui. Vous avez du travail pour moi? Si ça vous tente, une sale bête rôde dans le coin. On n'ose plus quitter le village. De quel genre de bête s'agit-il? Ah, vous savez comment c'est. Les bonnes femmes parlent de cochets, de manticornes. Mais tout ça, c'est des conneries. On irait demander conseil aux prêtresses de Freya si on pouvait. On peut même pas atteindre le temple. Et personne n'a vu la bête, même de loin. Oh, y en a qui l'ont vue, pour sûr. Le problème, c'est qu'ils l'ont vue d'un peu trop près. Et si vous voyez ce que je veux dire. J'ai su tout de suite qu'un type ordinaire serait pas de taille face au monstre. Mais Sver a insisté, a rameuté un groupe et... Quatre seulement sont revenus. Les autres, tous massacrés à l'est du village. Alors, vous voulez bien nous aider? Parlons un peu de ma prime. Vous voulez marchander? Et comment on va décider du prix, hein? Tout dépend du monstre. Un noyeur, c'est moins cher qu'un cocatrix. Justement, on sait pas ce que c'est. Tuez-le d'abord, on discutera du prix ensuite. Ça vous va? Non, ça ne marche pas comme ça. On fixe un prix et un bonus en cas d'imprévu. D'accord. Combien? Bon, comme vous voudrez. Après tout, c'est votre vie qui est en jeu. Je vais m'occuper de votre monstre. Vous en avez vu d'autres, ça crève les yeux. Nos gars, hélas, tout feu, tout flamme, mais pas une once de jugeote à eux tous. Les quatre survivants, où sont-ils? Vous voulez parler à Sver? Ma foi, pourquoi pas? Ils sont assis par là, près de cette hutte. Que puis-je pour vous? Que dit...
puis-je pour vous ? Montre. Montrez-moi. Adieu. Ami des gardes. Bien le bon. Je ne dirai pas. Thank you.
de l'Ofotan. Sa nouvelle captive, c'est Nilfgaard. Il y a plus de tumulus que d'hommes là-bas. Et tu la laisses partager. Tiens, demande donc au sorceleur. Il te dira que les monstres posent pas de pièges. Quel est le problème? Vous avez déjà entendu causer d'une sale bête qui laisse un chariot sur la route, puis qu'attend en embuscade? Ils sont trop crétins pour faire ça. Crétins ou pas, ils ont déchiqueté plusieurs de nos gars. Et on a fui comme des rats. Ils méritent qu'on les enterre. Vous pensiez vraiment être de taille face à un monstre? Fallait bien tenter le coup. Qui d'autre, sinon? Tu crois que Larvik voit passer des mutants tous les quatre matins? Genre un sorceleur en escapade? Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Allez-y. Où avez-vous été attaqué? Pas loin d'ici, sur la route de l'Ofotan. On a vu un chariot en bordure de la forêt. Juste comme on approchait, quelque chose est sorti des fourrés, et boum! Je me suis retrouvé aspergé de sang. Quand j'ai pu voir de nouveau, le corps d'Enar gisait sans vie. Vous vous rappelez l'apparence de ce monstre? Il faisait nuit. Gaspard a cru voir quelque chose. Je sais ce que j'ai vu. Il était immense. Avec une gueule toute tachée de sang. Le salaud a quasiment coupé Ungi en deux d'un coup de griffe. Ah, intéressant. Merci. Merci pourquoi? Hier soir, c'était... Yennefer de Van Gerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Geralt partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Hélas, le druide Sakasuri n'avait aucunement l'intention de laisser la magicienne examiner la forêt détruite. Geralt et Yennefer allaient voir le Jarl Krar Ankret qui les aida à infléchir la résolution du druide. Salut. Est-ce que vous... Je meurs d'envie.